Alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien, ici Fabuleux. Cette vidéo que je fais, c'est quasiment l'une de mes vidéos les plus ultimes. C'est un peu le résumé de tout ce que j'ai pu apprendre depuis que j'ai commencé à faire les vidéos sur la développeurie, puisque c'est un peu le résumé de ce que toutes les personnes à qui j'ai pu donner un coup de main m'ont donné comme retour. Et c'était un peu le masterclass que je donnais à des gens qui passaient leur interview. Donc déjà, quand quelqu'un veut passer une interview, déjà la veille, il me donne un coup de fil et puis voilà, j'essaie un peu de le brosser cette histoire. J'essaie vraiment de le motiver à fond pour l'interview. Il me suis rendu compte que je l'ai fait plusieurs fois et puis chaque fois c'était vraiment redondant pour moi, tu vois. Comme tu sais, moi je déteste un peu, comment dire, je déteste la monotonie en gros, je déteste la monotonie. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une vidéo dans laquelle je vais pouvoir expliquer toute cette histoire? Donc, quand quelqu'un va vouloir passer à l'interview, j'ai juste besoin de l'envoyer le lien de la vidéo et il sera servi, quoi. Là, je n'aurai plus besoin voilà, de m'évertuer à dire la même chose. Et cette vidéo, si tu es sur le point de passer une interview de Velotori, va être extrêmement importante pour toi parce que je résume tout. Je détaille tout, je te dis tout ce dont tu as besoin de savoir pour une interview de développeurie le jour J. Comment se préparer, comment faire. Donc, je te donne pratiquement, ça c'est un peu comme je dis, c'est l'ultime secret en fait. C'est-à-dire que quand tu maîtrises tous ces genres de trucs, le jour de l'interview, il n'y a pas de raison pour que tu ne puisses pas obtenir ton visa. Donc, dans la suite de la vidéo, je t'explique tout, je t'étale un peu tout depuis le début jusqu'à la fin. Et avant de commencer, Tom, tu sais, j'ai fait la dernière vidéo que je viens de mettre en ligne qui a fait déjà 500 et quelques vues la première journée, ce qui est déjà très bien. Mais au même moment, la vidéo a fait 500 vues avec à peine 97 likes. Ça, c'est là le problème. Vous savez, sur YouTube, on n'est pas rémunéré. Du moins, nous, les petits YouTubeurs, on n'a pas grand-chose comme revenu sur YouTube. Donc, on se casse la tête pour faire des vidéos. Faudrait qu'à un moment donné, soyez un peu lucide, vous soyez assez gentil pour accompagner notre effort, tu vois. Actuellement, il est quoi? Il est minuit 45. Je suis assis, au lieu d'aller dormir, je suis assis à faire cette vidéo pour donner de la force à des gens. C'est des histoires ou bien c'est des informations qui changent la vie des gens. Donc, quand vous regardez une vidéo qui vous plaît, dans laquelle je donne des conseils, je donne des informations, la seule chose que je vous demande en retour, c'est juste des pouces bleus, des commentaires et surtout abonnez-vous. On ne demande pas, du moins moi, je ne demande pas grand-chose, juste likez la vidéo quand vous aimez, c'est tout. Vous gagnez en information, vous gagnez en connaissance. Tout ce que moi je vous demande en retour, c'est juste des pouces bleus de grâce. Au moins une vidéo qui fait au moins 500 vues, au moins il faudrait qu'elle ait 300 ou 400 likes. Parce qu'au même moment, je ne vois même pas de pouce à l'envers. Alors, si des gens ne désapprouvent pas la vidéo, pourquoi ne pas l'approuver et mettre un pouce bleu? Tu vois, ça nous donne un peu chaud au cœur de voir que, ok, tu as fait une vidéo qui a plu à des gens, tu vois. Donc, s'il vous plaît, gérez-vous. Laissez des pouces bleus. Laissez des pouces bleus. C'est un peu la manière de YouTube de reconnaître que, ok, on fait du bon travail et de pouvoir promouvoir notre contenu. Sincèrement, j'ai vraiment envie d'avoir une communauté active. Je n'ai pas envie d'avoir juste des gens, ou bien d'avoir des sédentaires, de bien, comment dire, des aventuriers qui viennent juste pour regarder une vidéo s'en aller. Soyez actifs, soyez vraiment impactifs. Donc, s'il vous plaît, quand vous regardez une vidéo, toutes les vidéos que j'aurai à faire, quand vous regardez une vidéo qui vous plaît, de grâce, prenez le temps de pouvoir laisser ce petit pouce bleu, bien un commentaire et surtout vous abonner. Ça donne vraiment de la motivation à nous, jeunes youtubeurs, qui essayons d'apporter de la valeur ajoutée à cette société dans laquelle tout le monde ne parle que de sexe, tout le monde ne pense qu'à soi. Nous, au moins, on essaie vraiment de penser au bien collectif. De grâce, motivez-nous. Sincèrement, c'était un peu mon coup de gueule. Et actuellement, nous sommes à 5 700 abonnés. Objectif 10 000 abonnés. Objectif les 10K très bientôt. Donc, et les gars, gérez-vous. Toutes les personnes qui regardent nos vidéos et qui ne sont pas encore abonnées, gérez-vous. Partagez la vidéo autour de vous. Faites-le savoir à vos connaissances. Voilà, partagez-le dans le groupe Facebook par rapport à Devlotori. Ça aidera beaucoup de gens et vous sauverez des vies, même sans le savoir. Alors, de grâce, gérez-vous. Laissez des pouces bleus, des commentaires. Abonnez-vous surtout à la chaîne et puis Fabio le symptôme, tu sais. Ben.
L'une des choses les plus importantes à prendre en compte pour la développeurie, surtout quand vous allez à l'interview, c'est d'être préparé en amont. Soyez préparé en amont par rapport à tout ce qui va se passer. Donc, même quand vous dormez la nuit, prenez le soin de pouvoir apprêter vos documents dans un sac. Déjà, tout y est, tout doit y être fait. Tout ce dont vous aurez besoin pour l'interview doit être dans ce sac. Vos documents, vos analyses médicales, l'argent surtout. Et maintenant, au réveil, prenez soin de prier. Prenez soin de confier cette journée au bon Dieu. Prenez soin de la mettre dans les mains du Dieu miséricordieux qui va à coup sûr vous assister. Donc, généralement, les ambassades ouvrent à 7h30. Donc, moi, mon conseil à votre endroit, c'est de vous lever déjà à 6h30. Déjà, prendre le déplacement 1Z ou bien tardivement déjà à 7h, soyez sur les lieux. Maintenant, quand vous arrivez, vous verrez que vous ne serez pas seul puisqu'il y a des gens qui viennent aussi pour le regroupement familial. Donc, quand vous viendrez, déjà à 7h30, quand l'ambassade va ouvrir, vous verrez que le gardien sortira pour dire « Ok, quels sont ceux qui sont là juste pour le regroupement familial ?» Donc, c'est les gens qui passent en premier. Dès que ces gens passeront, maintenant, c'est le tour de ces personnes qui êtes vous, en général, qui êtes venus pour une interview de développeurie. Et dans le cas en espèce, ils vont maintenant prendre la liste, s'assurer que vous êtes sur la liste avant de vous faire rentrer. Maintenant, dès qu'ils se seront rendus compte que vous êtes sur la liste, vous allez maintenant pouvoir intégrer la salle de sécurité. En gros, dans cette salle, tout est mis en œuvre pour empêcher les gens de pouvoir rentrer avec des armes à feu ou bien des armes blanches. Donc, on vous passe au peigne fin. Quand je dis bien on vous passe, ça dit que vous, votre cercle, tout ce que vous avez sur vous, on vérifie, on scanne tout. Donc, d'abord, votre cercle va passer en premier. Si vous avez des cuillères, si vous avez des couteaux, même des fourchettes, on va vous demander de l'enlever. Et après, c'est vous, à votre tour, votre propre personne va passer au scanner de métaux pour voir si vous n'avez rien de louche ou bien vous n'avez pas quelque chose qui puisse être potentiellement dangereux. Dès qu'ils finiront de se rendre compte de cela, maintenant, si vous avez un téléphone, on va confisquer votre téléphone, votre chargeur que vous laisserez dans la salle de sécurité avec un numéro précis comme ça. Dès que vous finissez, vous allez retrouver vos trucs et vous fichez le camp. Donc maintenant, dès que la sécurité est finie, maintenant, vous allez maintenant pouvoir entrer dans l'ambassade ou bien dans le consul proprement dit. Et une fois que vous arrivez maintenant au seuil de la porte, vous trouverez un gardien. Ce gardien, dans la majorité des cas, bon, c'est vrai, on a qu'une seule interview, mais à mon temps, je pense que ce gars, il m'a demandé, quand je suis rentré en même temps, après m'avoir souhaité la bienvenue, il a demandé à avoir ma fiche d'invitation à l'interview, tu vois. Ce qu'on appelle généralement la deuxième lettre. Donc, il m'a demandé à avoir la deuxième lettre. Donc, quand il verra ça maintenant, il vous demandera d'aller vous asseoir. Et généralement, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres ambassades, mais à l'ambassade du Togo, la salle était tellement spacieuse, et ils avaient même une télévision. Le jour-là, je me rappelle qu'ils diffusaient Tom et Jerry, je crois, comme dessin animé. Tellement c'était tellement cool, ça détendait un peu l'atmosphère. Et sur le mur, il y avait plein de documents, il y avait des affiches. Et il y a un truc qui a marqué mon attention. Une affiche qui disait « Les faux documents peuvent vous ouvrir toutes les portes, mais peuvent définitivement fermer une, celle des États-Unis. » En gros, je pense que c'est une affiche à travers laquelle on essaie de vous dire de ne pas venir à l'interview de Devlotory avec, même si ça passe, c'est pas seulement la Devlotory, avec toutes sortes d'interviews, ne venez jamais avec de faux documents. Parce que si vous venez avec de faux documents, ces gens, à leur niveau, vont faire des recherches. Et s'ils font des recherches, ils se rendent compte que vos documents ne sont pas authentiques, qu'ils ne sont pas vrais, vous aurez des problèmes. D'abord, on vous refusera l'entrée aux États-Unis pour toujours. Parce que chaque fois que vous viendrez pour une interview, ils ont une base de données dans laquelle vous serez répertorié. Et quand vous êtes répertorié comme quelqu'un qui triche, ce ne serait pas bien pour votre image. Donc, il y a tous ces trucs-là. Et il y a plusieurs guichets. Je crois qu'il y a quatre guichets. Et après que vous soyez arrivé, maintenant, c'est à chacun son tour. Quand ce sera votre tour, on vous appellera au premier guichet. Maintenant, ce guichet, on vous demandera juste de payer les frais d'interview qui sont à... Actuellement, je crois que cette année, c'est 190 000. J'ai juste un ami qui est passé à l'interview ce matin. Il me disait que c'était à 190 000. Puisque cela change à chaque année. Donc, pour cette année, c'est 190 000. Et que vous avez le visa ou pas, les 190 000 sont irréfondables. Autrement dit, ils sont... Comment ça s'appelle en français? Voilà, ce sont des frais non remboursables. Donc, les 190 000 sont non remboursables.
Dès que vous aurez fini de payer, soit on va demander si vous allez payer en dollars ou bien vous allez payer en franc CFA, donc tout dépend de ce que vous avez. Donc, que ce soit le dollar ou le franc CFA, ils prennent bien. Après, maintenant, on vous demandera d'aller vous asseoir et peut-être qu'après quelques minutes, on vous appellera à un autre guichet. Je ne connais pas le numéro du guichet où maintenant vous serez amené à présenter vos documents. Donc, vos documents, y compris acte de naissance, relevé de notes, carte judiciaire, attestation du bac et aussi les analyses médicales qui sont très importantes parce que j'ai quelques amis qui sont passés à l'interview au Bénin, je crois que c'était le 26 juin, non? Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore eu leur visa, tout simplement parce qu'ils se sont rendus à l'interview sans les analyses médicales, tu vois. Ils ont été quasiment un peu surpris par la tournure des choses, donc ils sont allés sans analyse médicale et jusqu'aujourd'hui, ça traîne donc. Donc, prenez soin de passer les analyses médicales très tôt pour être en mesure d'aller à l'interview avec vos documents déjà prêts, eux aussi, les analyses médicales déjà faites. Donc, vous allez donc présenter tous ces documents, ils vont vérifier. Et si vous avez fait la traduction de vos documents, donnez-leur aussi. Ça serait plus facile pour eux de regarder, de cocher tout ce qui est à cocher quand tout est correct. Mais ils vous rendront ces documents après avoir les vérifiés. Maintenant, après quelques temps, on vous donnera, si vous avez moins de 25 ans, on vous donnera une fiche par rapport au service de recrutement. Donc, quand vous avez moins de 25 ans, on vous dit que, OK, quand vous allez aux États-Unis, vous êtes maintenant appelé à pouvoir faire signe au service de recrutement afin que ces gens sachent que vous êtes là. Et au cas où, en cas de besoin ou bien en cas de rassemblement, disons, on vous fera signe pour que vous puissiez rejoindre l'armée américaine. Donc, vous devez donner votre accord. Si vous êtes d'accord, vous devez lire, mettre votre nom et signer. C'est très important. Et aussi, il y a cette fiche aussi qu'on donne généralement. Je ne sais pas c'est pourquoi, mais je crois que c'est le fiche. Comment ça s'appelle déjà? C'est un truc par rapport aux femmes. Les mutilations génitales. Voilà, on vous donne une fiche par rapport aux mutilations génitales pour vous expliquer les conséquences. En vrai, je ne l'ai pas lu. Je ne sais même pas là où j'ai mis le mien, mais je ne l'ai pas lu. Je n'ai pas trouvé la portée ou bien la raison pour laquelle on me donnera ça à une interview de l'autorité. Parce que là, moi, je suis stressé que je n'ai pas pu lire ça. Donc, dès que vous finissez avec maintenant cette étape, vient l'étape cruciale. Je me rappelle, moi, quand j'étais allé, je suis juste allé. Je stressais tellement que j'ai demandé d'aller aux toilettes. Et c'est la première fois que j'ai expérimenté le fait que quand tu rentres aux toilettes, après avoir fini de faire tes besoins, tu n'as pas besoin de tirer la chasse d'eau. Directement, dès que tu quittes, je ne sais pas, il y a un truc de détecteur de mouvement qui fait sentir que tu n'es plus sur le pot et la chasse d'eau se tire automatiquement. J'étais un peu comme, attends, est-ce que personne n'est là en train de me surveiller parce que je n'ai pas tiré sur la chasse d'eau? Comment ça se fait que l'eau ou bien le tout s'est chassé tout seul, quoi? J'étais un peu comme, ouais, ça c'est un peu les États-Unis. Ouais, tu es un peu dans l'antichambre des États-Unis. Faudrait déjà que tu expérimentes un peu comment ça marche, tu vois. J'étais un peu, voilà, c'était un peu un instant assez comique, mais c'est assez intriguant, je dois avouer, tu vois. Donc, juste après ça, maintenant, tu retournes, on vous donne un numéro de ticket où tu dois passer l'interview. Donc, quand ce sera ton tour, le conseiller va t'appeler. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, on pense que c'est dans une salle où tu es seul à seul avec le consul et tout. Non. Généralement, le consul est derrière un guichet et toi, tu sais, quand tu vas un peu à la poste, tu vois. Donc, le gars est de l'autre côté, toi, tu es de l'autre côté, vous discutez. Tranquille. Maintenant, quand vous êtes un célibataire qui est venu avec juste l'étudiant, le statut d'étudiant, il vous demandera d'abord à savoir, est-ce que vous êtes monsieur tel. Vous direz oui ou non, bien sûr, ça dépend des uns et des autres. Oh, vous faites quoi dans la vie? Étudiant. Donc, si vous êtes étudiant, merci de pouvoir prévoir votre carte d'étudiant. Ce serait très, très intéressant d'avoir votre carte d'étudiant au cas où le conseil doute. Maintenant, il va vous demander, vous avez le bac en quelle année? Vous donnez l'année à laquelle vous avez le bac. Maintenant, il va vous demander, est-ce que vous êtes marié? Ou bien, est-ce que vous avez des enfants? Généralement, la question exacte, c'est, est-ce que vous avez des enfants? Non, vous n'en avez pas. Oui, si vous en avez, puisque ça dépend des cas de chacun. On vous demandera, vous faites quoi au campus? Vous donnez la filière dans laquelle vous évoluez. Si le consul est vraiment curieux, vous demandera c'est quoi cette filière, qu'est-ce que vous faites d'intéressant. Juste pour vraiment savoir si vous êtes vraiment, puisqu'il y a des gens qui se disent étudiants, mais qui n'ont jamais mis pied au campus, parce que voilà. Donc c'est juste, tout dépend des consuls. Ensuite, c'est quasiment une discussion très classée, très simple et très courte, tu vois, entre vous et le consul.
Parce que lui, le consul, il a votre déesse devant lui. Donc, il vous pose des questions pertinentes par rapport à votre vie, par rapport à vos études, bien par rapport à votre parcours scolaire. Donc, c'est à vous maintenant de, comme je dis d'abord, maîtriser votre déesse de Sozonte correctement. Et après, maintenant, de pouvoir répondre à ces questions tranquille, quoi. Après, il vous demandera chez qui est-ce que vous allez aux États-Unis. Il vous donne le nom. Il vous demandera quelle relation vous liez. Il peut aussi vous demander, il est quoi pour vous. Il peut vous demander, depuis combien de temps est-ce que lui, il est aux États-Unis. Donc, voilà quoi, relate. Et puis, entre-temps, c'est en même temps parallèle. Il arrive qu'il y a des gens qui, après le remplissage des 60, se rendent compte qu'ils ont besoin, bien qu'ils doivent impérativement changer la personne qui va les accueillir. Comme ça, l'adresse qu'ils ont mise sur le DS sera différente de l'adresse à laquelle ils vont se rendre aux États-Unis. Donc, si vous êtes dans ce genre de cas, vous avez juste besoin de noter une nouvelle adresse sur un papier. Dès que vous rentrez dans l'ambassade, qu'on vous appelle pour vos documents, prenez soin de leur dire que, ok, monsieur ou bien madame, j'ai changé ma destination aux États-Unis. Voici la nouvelle adresse à laquelle je vais atterrir aux États-Unis. Tu vois, donc prenez soin de leur dire ça. Et ces gens maintenant pourront prendre le papier et pouvoir saisir la nouvelle adresse de manière automatique qui sera directement reliée à votre dossier. Comme ça, ce sera encore plus simple. Voilà, tout va bien se passer. Donc, si vous répondez clairement aux questions du consul, vous allez voir que le consul va dire « Ok, félicitations, welcome to the United States » et il vous dira la date à laquelle vous allez revenir chercher votre visa. Et voilà quoi. Donc, sincèrement, je tiens vraiment à vous dire que le plus important avec l'interview, c'est d'être sûr de soi, c'est de présenter des documents corrects, c'est de ne pas avoir... Il faut que ce soit flou, quoi. Ce que c'est, que le ton blanc, que le blanc soit le blanc, le noir soit le noir, c'est tout. Et maintenant, après quelques jours, vous reviendrez chercher votre visa avec la lettre scellée. Et moi, je vous dis, welcome to New York State. Et s'il y a des gens qui sont déjà aux États-Unis depuis un bon bout de temps, qui ont envie de me contacter, bien qu'ils regardent mes vidéos, ouais, ne vous dérangez pas, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Et aussi, dernière annonce, mon Facebook est plein. J'ai déjà atteint les 5000 amis que je dois recevoir. Donc, il y a des gens qui vont vouloir entrer en contact avec moi. Désolé, c'est impossible. Si vous ne pouvez pas rentrer en contact avec moi, passez par mon Instagram, Fabio Le Saint. Je le mettrai en bas dans mon Instagram, Fabio Le Saint, pour pouvoir m'envoyer une invitation, pour pouvoir discuter. Allez, n'hésite pas à t'abonner à ma page Instagram. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma page Facebook. Laisse des pouces bleus, laisse des commentaires. Abonne-toi à ma chaîne Fabio Le Saint, tu sais. Bang.